en espagnol dans cette ponencier. Uh, Après de ma parole, vous pouvez me poser des questions en espagnol, mais por favor, en espagnol de spa. Je veux aussi remercier les, les organisateurs de ce congrès. Uh, je me réjouis toujours d'être en Espagne et pour moi, Ronda, c'est la première fois, alors c'est une, une grande joie d'être ici. Euh. Ah. Voilà. Le 23 septembre 1595, ou comme on dit en Belgique, 95. Le roi Philippe II a signé deux édits. Le premier était, et je cite, au sujet des titres et marques d'honneur ou de noblesse, port d'armoiries et autres distinctions. Et l'autre concernait, je cite de nouveau, les titres et qualifications à employer aux Pays-Bas. Ensemble, ils jetaient les bases du droit écrit de la noblesse des Pays-Bas habsbourgeois. élaboré et interprété à maintes reprises. Il restait en vigueur jusqu'à son abolition par la République française exactement 200 ans plus tard. Dans cette conférence, j'aimerais discuter ce qui a motivé le roi à décréter ses édits et de placer sa décision dans le contexte social et politique des Pays-Bas à l'époque. Deuxièmement, je voudrais examiner les principales caractéristiques de cette législation en particulier l'attention qu'elle a accordée à l'héraldique en tant que marqueur de distinction sociale. Après avoir exposé le rôle que les officiers d'armes ont joué dans l'application de cette législation, je conclurai en m'interrogeant sur son efficacité. Non. Dans les motivations des deux Édits, le monarque se montrait préoccupé par ce qu'il qu considérait comme un désordre social croissant. Et je cite Sa Majesté, comme la raison commande, que, chaque, que un chacun se contienne en son état, condition, degré et qualité, sans en déborder, ni entreprendre ou usurper aucun nom ou au titre de noblesse. Que ne lui appartient et moins tant s'oublier que d'arroguer à soi titre, marque et qualité principale de la dite noblesse et se mettre en tel rang sans qu'il en soit. Dans le deuxième édit, le roi attribuait la confusion des titres et qualifications à la diversité des nations résidant. C'est aussi une citation. Fréquentant et hantant en nos pays d'en bas et de Bourgogne et celui, ceci avait conduit à de très grands désordres en droit des titres inscriptions et traitements qu'à l'imitation d'aucune langue étrangère y à chacun entrepris et usurpé à son plaisir et donne et attribue les uns aux autres aussi bien en parlant qu'en écrivant contre la modestie et rondeur naturelle des sujets de notre pays et l'ancienne et sincère forme qui a été tenue pendant les dernières années, avant les dernières années. Ah. Le roi et ses conseillers n'étaient pas les seuls à partager ces sentiments. À la même époque, Géant Scoyer, ecclésiastique ennuyé et auteur d'un traité d'héraldique important, dénonçait la multiplication des usurpations nobilières dans son introduction de l'état et comportement des armes, écrit en 1592, mais seulement imprimé cinq ans après, il mettait en garde contre, et je cite, un si grand mal imminent et preste à décrocher euh, la ruine de toute la noblesse, laquelle en plusieurs endroits est tellement déchirée et despécée que nul ou peu de vestiges de vertu peuvent être retrouvés et remarqué en Isselle. Dans les pages qui suivaient, il signalait divers abus qui avaient diminué la véritable noblesse, aussi bien l'audace avec laquelle les roturiers usurpaient ses anciens privilèges. Ce type de débat n'était pas limité aux Pays-Bas. Dans son livre récent « Définir la noblesse », l'historien français Camille Paulet établi qu'entre 1590 et 1715, quelques 150 traités sur l'état de la noblesse ont été publiés en Espagne, en France et en Angleterre. Si l'on y ajoute les réimpressions, ce nombre s'élève même à environ 500. Paulet n'a pas inclus dans ses recherches les traités d'héraldique de l'époque. Pourtant, ils contiennent souvent des passages concernant l'état actuel du Deuxième État. Certains auteurs, comme le futur roi d'armes jartière William Segar, André Favin, Marc Fulson de la Colombière, que vous voyez ici, et Claude-François Ménétré, écrivaient d'ailleurs à la fois des traités sur la noblesse et sur l'héraldique. Cette combinaison ne devrait pas nous, nous surprendre. Vers la fin du XVIe siècle, l'héraldique s'est imposée comme l'un des principaux instruments pour visualiser des revendications de statut social. Elle utilisait un langage visuel adapté à l'expression du statut et du pouvoir, qui pouvait être lu et compris par un grand nombre de gens. Pour sauvegarder le statut et les privilèges du deuxième État, des appels ont été lancés par ou au nom de la noblesse pour que le souverain, et à travers lui les institutions de l'État dynastique, réglementent les pratiques héraldiques. Ces appels avaient cependant un prix. En échange pour la protection des anciens privilèges nobles, ils permettaient au souverain de jouer un rôle plus actif dans la composition et dans la hiérarchie de l'État de la noblesse. Il semble cependant que deux circonstances particulières avaient rendu la question du statut de la noblesse dans les Pays-Bas plus pressante qu'ailleurs. L'effacement des frontières qui séparaient la noblesse des autres élites était principalement un phénomène urbain. Dans la plupart des régions rurales d'Europe, les structures hiérarchiques traditionnelles restaient en place jusqu'au XIXe siècle, voire au-delà. Avec l'Italie du Nord, les Pays-Bas constituaient la région la plus urbanisée de l'Europe. Selon les estimations, environ un tiers de la population vivait dans les villes. Constituant un réseau commercial prospère, ces villes offraient des possibilités considérables d'acquisition de richesses, de propriétés foncières, de statut social et de pouvoir politique. Les marchands prospères accumulaient suffisamment de capital pour adopter un mode de vie noble. Leur puissance financière leur permettait d'acheter une seigneurie à la campagne ou même de se marier dans la noblesse établie. Si cette mobilité sociale ascendante n'était pas sans précédent dans les générations antérieures, le sentiment se répandait de plus en plus que la croissance économique rapide de la première moitié du XVIe siècle l'avait porté à un niveau inacceptable. Il ne faut pas, sous, euh, pas non plus sous-estimer l'impact de la révolte des Pays-Bas. Au cours du, du dernier tiers du XVIe siècle, une guerre civile déchirait les Pays-Bas. Le régime des Habsbourg perdait la, le contrôle euh, d'une grande partie du territoire, parfois pour toujours. Et les structures traditionnelles d'autorité de l'Église et de l'État sont ébranlées jusqu'à dans leurs fondements. La violence constante a créé une atmosphère de bouleversement social. Avec ceci, je vous montre euh, les lettres patentes originales données euh, aux frères et sœurs de Balthazar Gerards par le roi Philippe II. Euh, Peut-être vous ne connaissez pas tellement l'histoire, mais Balthazar Gerards et celui qui a tué Guillaume d'Orange. Et pour compenser ce meurtre, le roi a donné la noblesse à ses frères et ses sœurs. Lorsqu'à partir de 1579, la majorité de la noblesse catholique se réconciliait avec Philippe II, et elle s'attendait à ce que le roi lui redonne la place prépondérante dans la société. En promulguant les édits de 1595, le roi répondait à cet espoir. Outre la réglementation des formules de politesse, les édits du roi interdisaient à tous les sujets des Pays-Bas de s'arroger des titres auxquels ils n'avaient pas droit. Il reconnaissait trois sources de noblesse. La noblesse immémoriale, ceux qui et je cite, ayant vécu ou soit comporté publiquement et notoirement en personne noble, et en troisième lieu, lieu les nobles créés par lettre patente royale. Aucun sujet n'était autorisé à demander à un autre prince de lui accorder des faveurs nobilières. L'Édit déclarait en outre que seule la noblesse pouvait utiliser des armoiries timbrées. Dans les mots de l'Édit, ils avaient le privilège de porter ces armoiries timbrées en leur cachet, sceaux tapis, peinture ou autre chose et droit public ou privé. En d'autres termes, le roi ne voulait pas faire de l'héraldique un privilège exclusif de la noblesse. Autres membres de la société pouvaient toujours utiliser des armoiries à condition de n'utiliser qu'un écu sans aucun ornement extérieur. Deux groupes de fonctionnaires royaux étaient habilités à poursuivre ceux qui ne se conformaient pas aux édits. Les avocats fiscaux et les procureurs généraux recevaient ce pouvoir parce qu'il leur incombait de défendre les droits du monarque. Parallèlement, les rois d'armes se voyaient accorder le droit de porter des affaires devant les tribunaux en raison de leur expertise en la moitié. Puisque les édits définissaient l'usurpation de la noblesse ou de ses privilèges comme une atteinte à la prérogative royale, seuls les conseils de justice provinciales pouvaient juger ces affaires. Au cours des deux siècles suivants, les édits de 1595 ont donné naissance à un vaste corpus législatif. En 516, les archiducs Albert et Isabella Clara Eugenia ont renouvelé les édits du roi en y ajoutant un certain nombre de clauses. L'impératrice Marie-Thérèse a fait de même en 1754. Entre-temps, une longue liste de décrets a clarifié des points spécifiques faisant l'objet de débats devant les tribunaux. En 1668, le juriste Jean-Baptiste Christen a publié un étendu commentaire sur la législation de la noblesse, noblesse intitulée. Jurisprudencia heroica. Face au défi d'appliquer la loi, les rois d'armes ont à plusieurs reprises présenté des propositions détaillées pour améliorer, au moins de leur point de vue, les édits, mais leurs efforts n'ont pas toujours été couronnés de succès. Leurs propositions éclairent cependant les pratiques de l'époque. Au fil du temps, ce corpus législatif et la matière dont il a été appliqué Manière, pardon, et la manière dont il a été appliqué par les tribunaux, ont été connus sous le nom de droit héraldique, un terme qui indique l'importance attachée aux privilèges héraldiques dans la détermination du statut de la noblesse dans les Pays-Bas-Bourgeois. Il serait trop long de traiter de tous les changements ou précisions qui furent décrétés au cours de ces deux siècles. Il est cependant important de noter que l'édit de 1616 16 a ajouté une quatrième source de noblesse à la liste, à savoir les personnes appartenant à la noblesse en raison de leur charge publique ou de la charge occupée par l'un de leurs ancêtres. L'édit ne précisait pas quels étaient les offices qu'il considérait comme anoblissantes. La législation ultérieure en précisait que certains charges conféraient une noblesse héréditaire, tandis que un plus grand nombre d'entre elles n'apportaient qu'une noblesse personnelle. Au fil des années, les rois d'armes ont présenté plusieurs propositions visant à codifier une liste limitative des offices ennoblissants des titulaires, mais le gouvernement a jugé inop inopportun de les promulguer. Le gouvernement ne voulait pas euh, que les gens se sentaient déçus. Les pays bas habsbourgeois n'étaient pas le seul État dynastique où l'utilisation d'ornements extérieurs était considérée comme un privilège de la noblesse. En fait, le roi François Ier de France avait déjà décrété la même chose en 1535 et ses successeurs ont réitéré ce principe à plusieurs reprises. C'est pourquoi une comparaison entre les deux royaumes s'impose. En général, les héraldistes français Considère que les tentatives de la couronne pour imposer ce privilège sont de peu d'importance. Le fait que le principe ait dû être répété à maintes reprises est utilisé comme une indication qui n'a pas été respectée dans la pratique ou qui ne l'a pas été que rarement. Dans ces conditions, il est facile de comprendre pourquoi l'héraldique française accordent relativement peu d'importance. Aux ornements extérieurs tels que les cimiers, les couronnes ou les supports. La situation dans les Pays-Bas absbourgeois est cependant tout à fait différente. Les lettres patentes accordant la noblesse des titres ou d'autres privilèges, privilèges nobiliaires le démontrent clairement. Les lettres patentes élevant une personne à la noblesse déterminaient toujours le blason complet du bénéficiaire. Il s'agissait non seulement de l'écu, mais aussi du casque, du bourrelet, des lambrequins et du cimier. Au cours du XVIIe siècle, le roi, en sa qualité de prince des Pays-Bas, a réussi à éteindre son autorité dans la matière. Il commençait à augmenter les armoiries des nobles en leur accordant une couronne au lieu de bourrelet et des supports. Dans certains cas, comme ici, les supports portaient des bannières reprenant les armoiries de la famille celles des alliances ou des seigneuries qu'ils possédaient ces ornements extérieurs pouvaient indiquer que le bénéficiaire était chevalier ou qu'il appartenait à une famille considérée comme d'ancienne noblesse progressivement les lettres patentes déterminaient également les ornements extérieurs attachés à un titre tel que baron, vicomte, comte, marquis, prince ou même duc. Au milieu du XVIIIe siècle, les lettres patentes de noblesse qui ne contenaient pas de clauses relatives aux armoiries du bénéficiaire étaient devenues tout à fait exceptionnelles. L'autorité du prince en la matière était devenue telle qu'il pouvait accorder une dérogation à ses propres règles en permettant par exemple un comte orne ses armoiries avec une couronne de marquis. Alors c'est un demi-marquis. Traditionnellement, les rois d'armes des pays barbes bourgeois ont joui d'une réputation peu fiable auprès des historiens. Il ne fait aucun doute que certains d'entre eux, voire un nombre considérable, ont pris des libertés avec la vérité généalogique si leurs clients étaient prêts de payer le bon prix. Il était également clair qu'ils sont entrés dans ce qu'on qu appelait à l'époque des compositions avec les accusés qu'ils poursuivaient devant les conseils de justice pour des infractions au droit héraldique. Aujourd'hui, nous appelions nous ça un règlement à L'accusé acceptait de réparer son infraction il payait au roi d'armes une partie de l'amende prévue dans les édits royaux. Dans un certain nombre de cas, l'accusé prenait également des mesures pour rectifier son statut juridique, par exemple en demandant au prince d'être élevé au rang de la noblesse. À plusieurs reprises, ces ordonnances royales interdisaient au roi d'armes d'entrer en composition avec l'accusé. Mais les procès devant le, les conseils de justice étaient longs et très coûteux et on comprend aisément que les rois d'armes aient choisi cet expédient. Même si les rois d'armes ont souvent fait un, un usage pragmatique, voire illégal, des procédures judiciaires, il y a des fortes raisons de penser qu'elles étaient plus efficaces qu'on ne les a traditionnellement supposées. Comme je l'ai déjà dit, la pratique de la composition a souvent conduit à une régularisation des prétentions de l'accusé au statut de noble. Il y a également de fortes indications que les procédures avaient un effet psychologique sur ceux qui usurpaient le statut ou les privilèges de la noblesse, et aussi bien sur ceux qui envisageaient de le faire. Un marchand d'Anvers, par exemple, ajouta un codicille à son testament permettant à ses enfants de remplacer la nouvelle pierre tombale qu'il avait fait faire avec des armoiries par l'ancienne pierre tombale, si, et je cite, les rois d'armes trouvent quelques prétextes pour faire des difficultés. Réagissant à la nouvelle pratique de la poursuite des usurpations, un citoyen de Lille écrivit au début du XVIIe siècle un poème venimeux et grandeur. Accusant les rois d'armes d'abuser leurs fonctions. Et si les gens se plaintent de la justice, ça veut dire que quelque chose s'y passe. De leur côté, les bourgmestres et échevins d'Anvers exigeaient l'arrêt des poursuites parce qu'elles menaçaient la paix publique, d'après eux, et les intérêts commerciaux de la ville. En réponse, le gouvernement a parfois suspendu les poursuites pour une période limitée, mais il n'a jamais abandonné la pratique. Selon nos critères, le processus peut sembler inefficace, voire arbitraire. Pendant les deux siècles qui se sont écoulés entre les édits du roi Philippe II et l'abolition de la législation sur la noblesse par la Révolution française, les autorités n'ont jamais réussi à créer un registre complet des personnes appartenant à la noblesse en l'absence d'un tel registre, les familles pouvaient encore espérer entrer dans la noblesse sans par le processus d'assimilation. le manque de clarté quant aux charges anoblissantes ouvrait une autre voie pour entrer discrètement dans la noblesse. pourtant, aux yeux des autorités, le processus sortait suffisamment d'effet pour le maintenir. Sur le papier, les privilèges de la noblesse des Pays-Bas-Habsbourgeois pouvaient être comparés à ceux de la noblesse française. Dans la pratique, cependant, la répression active des usurpations faisait une différence considérable entre les deux. Dans ce domaine, au moins, le roi Philippe et ses successeurs ont été plus efficaces pour affirmer leur autorité. Je vous remercie.